Et c'est parti pour l'épisode 7. Du coup, on va passer encore quelques tours. Oh, on est attaqué. Par Cereza. Elle doute de rien, la petite. Allez, Fireball. Peut-être falloir que je me calme si on a perdu la ville qui générait le plus de mana. Ou que j'aille la reconquérir, c'est aussi une solution. Allez, essaye d'achever le. Dommage. Ah, deux esquives. Ah, mais vous te barres pas de l'autre côté, toi. En tout cas, niveau militaire, on s'en sort quand même beaucoup mieux que dans la saison. Hein. On va éviter d'atomiser notre propre soldat. Dommage. C'était sûr. Voilà. Allez, on l'achève. Non, ouais. Hop. Les ennemis. Non, c'est que ça. Bon, écoute, Cereza. Je peux pas te proposer de te rendre. Ah bon. Ben, tant pis. Tu finiras bien par te rendre de toi-même. On va s'entraîner un groupe de gardes. Du coup, j'aurais rien à vendre, moi, par hasard. Bah si, j'ai plein de conneries, là. Allez, on va vendre un parchemin. On en garde un. Une petite amulette d'initiative plus 2, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 3 de défense, résiste au sort, plus 3 d'attaque. Ah non. Allez. Voilà. Parfait. Badra. Bon, ça. Ça nous fait un peu de sous. Ça c'est fait, les ennemis dans notre territoire. C'est là-haut, c'est qui ça? C'est aussi assez raisin, non? Ah non, c'est peut-être... Si, raisonne. Bah on va les attendre dans la ville, en fait on est plus fort dans nos villes. Ils ont pas l'air décidés à venir non plus. La mine de cristal, bande d'enfoirés. Il tente la provoque, hein. On perd de l'argent. Ah ben, je pourrais augmenter les taxes aussi. Wow. Ça augmente bien le nord-est. Par contre, l'incom était à 0,4. Ah, il a moins 1,2. Si je passe en normal, il y a plus 0,4. Ok. Bon, par contre, il y a un peu plus de nord-est.
C'est pas grave, au moins l'argent remonte. Des ennemis dans notre territoire. Bon, elle est tout seul. Elle est toute seule. Ok, lui aussi il est contre Craxis. Eh ben. Il a dû en faire une Craxis. Bon. Vous pourriez quand même pas pouvoir traverser tout mon territoire. Faut pas déconner non plus. Il joue juste après. Allez, je te laisse jouer en premier. Ok. Et... c'est à lui de jouer. Je suppose que c'est un sort pour améliorer son esquive. Bon, t'as concrètement aucune chance. Est-ce qu'on marche sur notre ville comme ça? Juste avec ça? Ouais, allez. Les gardes serviront de défense pour cette ville. Après, d'un autre côté, on pourrait attaquer. Si on attaque ici, et ici, ça nous permettrait de générer un peu d'argent tranquille. Non, on va rentrer chez nous. Non, c'est pas de construction. On va réentraîner un groupe de gardes. Il y a toujours lui là-bas. Ah, je pourrais faire une sortie là-bas pour essayer de le tuer. Allez. On va te renvoyer chez toi. Ok. Prends-le comme ça. Non mais prends-le comme ça quoi. Direct, j'arrive, pas bonjour, pas merde. Il m'en tue un. C'était le chillman. Celui qui peut balancer des cailloux. Qu'est-ce que tu t'es balancé sur la gueule? On peut pas le voir là ce que tu t'es lancé. Non. Ah si, enchantement. Ouais. Pas mauvais celui-là. On a peur. Et on est effrayé. Et voilà. Typhoïde moins 1 au point au PV de l'armée. Oh là là. Bah vous êtes rentré en ville, vous. Alors... vous êtes dans le territoire de la reine Proserpinée.
Je ne fais que passer en paix. Oui, j'ai forcément voulu attaquer. J'ai pas fait attention à la couleur. Je fais que traverser, hein. N'en voyez pas. D'accord, je peux pas passer si je lui déclare pas la guerre. Bon. Eh ben, machine. Traité. Traité de non-agression. Et comme je suis plus forte qu'elle, le traité de non-agression, je peux lui demander de me payer pour ça. Oh, c'est pas mal. Je lui propose un traité de non-agression. Et je te demande un peu d'argent. Voilà, pour la forme. Je vais peut-être pouvoir m'en faire une alliée. Je recevrai 0,8 gildar par saison si je passe un traité avec elle. C'est pas mal, allez, je t'offre un peu d'influence. Voilà, on a un traité avec elle. Est-ce que maintenant tu me laisses traverser tes terres? Ce n'est qu'un pacte de non-agression. Mais elle nous laisse traverser. Bien. Ici, pas de construction. On a fini la guilde des... Eh ben, on va reconstruire notre mine. Alors, on est reparti. On rentre chez nous. Notre camp est attaqué par Cereza. J'aurais dû le prévoir qu'elle attaquerait en 12 derrière. Ouais, mais on n'a pas une grosse fireball pour faire le ménage. Faut faire gaffe à Cereza, ça c'est des merdouilles. Par contre là on a des Spear Maiden. Cela il risque de faire mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les attendre tranquillement. On va essayer de regrouper nos troupes. Et on va faire des gros focus par paquet. Toujours dans l'idée de réduire le nombre de contre-attaques adverses. Par contre, on va attaquer Cereza direct avec les archers. Bien, c'est moi qui frapperai le premier du coup. Et ben, on va se décaler là. Non, je peux pas là. C'est parfait de pouvoir frapper les premiers. On va se décaler là-bas. Avec toi, je peux achever celui-là. Vous, ben, il n'y a qu'une cible. Voilà, en un tour, on a quand même fait un petit ménage déjà. Parfait, toi tu fais tout le tour. Ouais, vous, c'est bien ce que je pensais, vous êtes les plus dangereux. Je peux achever celui-là du coup. Ah, oh, dommage. Allez. On l'a eu. Ça se passe plutôt bien. Cereza avance. Elle pourra arriver sur ces cases là. Ouh mince, là elle va pouvoir me taper. On recule. Hop, on recule. C'est ce que je voulais, avoir l'initiative. Ah, dommage. Allez,
avant qu'elle rejoue. Je l'aurai pas. Dommage. Dommage. Attaque. Antla, on devrait la tuer avant qu'elle rejoue normalement. Et voilà. Et une Cereza de plus. Bon, qu'est-ce que t'as dans ma cité? T'as lancé une grosse production, par contre, il n'y a pas de troupes, il n'y a que la milice. Bah ouais. Des ennemis dans mon territoire. Une caravane. Je prends pas ça un ennemi. Ah oui, il y avait tellement personne dedans que je suis rentré comme ça, quoi. Par contre, là-bas, il y a Soliag. C'est lui qui nous a bien démonté. Ça vaudrait le coup de lui infliger une blessure à lui. Bon. Du coup, au niveau de la ville. On pourrait construire le temple des essences. Le temple de l'essence. On va surtout remettre des gardes en fait dedans. Ah, mais on a plus de cristaux. Non, on va pas remettre des gardes du coup. Pour améliorer le niveau de l'eau. Pour générer plus de mana. Voilà. Quand est-ce qu'on va booter celui-là loin? Je risque quand même de m'en prendre une en fait. Des trolls. Puis notre mana qui descend. Bon, on va rester un petit peu tranquille dans notre ville. C'est moi ou je peux pas finir le tour? Oui, pour une raison ou une autre, je ne peux pas finir mon tour. Je sais pas pourquoi. Non, je peux pas faire fin du tour. Bon. Savoir pourquoi. Du coup, je vais peut-être remettre mes enchantements sur cette ville. Il y avait méditation. Et il y avait les sous. Propagande. Je n'ai pas regardé ce que celui-là il peut en avoir. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Oh, les unités en défense régénèrent un point de vie par tour. Les unités entraînées ont plus un point de vie par essence. On va remettre une méditation, on a besoin de mana. On pourrait même en mettre deux. Non, on va remettre aussi une propagande. Ouais, allez, propagande. Voilà. Je peux toujours pas passer mon tour, non? Bon bah on va aller booter Soliag. Coûte combien le pilier de flamme 48? Non, je peux pas passer mon tour. Bon, eh ben main menu. Load game. Autosave. Voilà, on va attendre qu'il refasse le monde.
Là, je sais pas du tout pourquoi je n'y pouvais pas passer mon tour. Si vous avez une... Si vous avez une idée... Du coup, on en était où? On reprend juste avant que j'attaque. Des ennemis dans mon territoire. Ouais, c'est Reza qui va attaquer. On pourrait rush les gardes, juste pour la faire chier. Alors on va lancer méditation ici. On va lancer propagande ici. Et on va rush les gardes. Et on va construire les... Ah, il y a 54% d'unrest dans cette ville. On va construire le cléric. Ok. Voilà, c'est Reza attaque. Ah, ce n'est pas la même carte. C'est pas bien grave, parce que du coup on a deux unités de garde, on n'a pas perdu la première fois, donc pourquoi on perdrait cette fois-ci? On va attendre. On va appliquer exactement la même stratégie. Voilà, toutes mes unités sont en défense. Et on va taper Cereza. Ah, ce coup-ci, elle a une monture. Comme quoi, la même partie rechargée ne se passe pas de la même façon. Allez, on va se faire cela. Oh bah, en un coup. Toi, tu avances. Parfait. Vous deux. Vous trois, pardon. Là. Raté. Gagné. Le loup. Oh, méchante la contre-attaque. Ah, on n'a pas assez pour aller les voir. Perdu une unité. Pas grave, on va les achever. Voilà. Aïe. Ah oui, non. J'aimerais ne pas perdre les gardes en fait. Allez, on va finir cela. Normalement, ils n'auront pas le temps de rejouer. Meurs. Non, toi tu mourras pas. Aïe. Bon, le bon côté, c'est qu'elle n'a pas tué les gardes. Je pense qu'elle aura le temps de faire encore un tour. Ah non. Ok. Du coup... Hop. Les ennemis dans mon territoire. Caravane, à chaque fois il va me faire le coup. Hein. On va capturer la ville. La ville est à nous. On va lancer méditation. On va lancer propaganda. Ah, là il n'y a rien à construire dans cette ville. On est parti pour... On avait dit le temple de l'eau. Ah bah il me refait la même, je ne peux pas passer mon tour. Ok,
Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va essayer d'attaquer celui-là. Hein. Ah oui, mais je peux pas. Ça nous refait la même chose. Bon. Ah, là, je sèche. Pourquoi? On ne peut plus passer les tours. Détail. Bon. Ben là j'en sais rien. J'en sais rien. Si j'enlève le bâtiment, je peux le passer. Spring 235. Non, impossible de passer le tour. Bon. Bah écoutez, on va arrêter l'épisode 7 pour ici. Puis moi je vais essayer de régler le problème hors caméra et on se retrouve directement dans l'épisode 8.